Et on va aligner. Ça, monsieur. Voilà, dans l'ordre. Alors, Joe. Alors, j'ai pas Dressing, c'est vu bon. si. Ouais. Deuxième, pente. Pente, Dilbos, Pente, Scrambler, Dilbo, Tilou. Scrambler, Tilou, CB1000. Ouais. Alors, attends. CB1000, ok, c'est bon. CB1000, ensuite humain. Ok. Mascoon, il est déjà mis. Mascoon. Ok, Dusty India, Yam. Kawasaki India et Yam Ok, pour c'est terminer. bon. C'est dans l'ordre. Bon, après, je sais pas lequel avait quitté en premier, qui fait C'est normalement Yam. se retrouve derrière. Donc, C'est Yam, c'est Yam. ouais, bah donc normalement, il y aurait dû y avoir Kawasaki en 9e et Yam en 10e. Qui a, à mon avis, un petit souci de collection, notre ami Yam, L'inverse. parce qu'il n'a pas Ouais. beaucoup de barres. Hein. Ah oui, oui, non, on a dû changer de serveur. Et puis voilà, le miracle s'accomplit de nouveau. Voilà, moi j'ai mis au niveau des qualifs, Yam en 9. Non, c'est Yam qui est sorti en Non, premier. non, non, c'est Yam qui sort en premier, Oui, c'est d'accord. le Non, non, dixième. c'est bien 10, ouais. C'est bien 10e qu'il est. On est d'accord. Parfait. Alors, bon. Bah, t'es ready, on y va. Eh bien, écoute, moi je le suis, hein. Tout est prêt. Tout est prêt. On n'a plus qu'à. Vas-y. J'ai dit non, Iman. Et puis c'est tout. Ah, j'ai pas vu, il dit quoi sur le live? Attends, Ah, t'as regardé, donc attends, 50%. Et attention, non, 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 ah stop, stop, on lance pas. ouais, Non, c'est non, bon, non, Kawa, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on est bien sur 990. Motegi 2009, faut que je pense à Motegi 2009. Voilà, donc on est bon, tout le monde est prêt? Allez, hop là, Voilà. alors Motegi 2009. C'est comme ça, il va arrêter de nous bourrer le mou, là. Ah mais il fait preuve de rigueur, hein. Voilà. Comme ça qu'on dit, de la rigueur. là, sacré humain, là. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il s'est pas mis en nuageux, lui. J'ai un doute. Ah, si ça a l'air. Ouais, du AG, c'est bon. Ouais, quand j'ai demandé à Human si ça le dérangeait pas que j'utilise son droit à l'image pour la dernière vidéo, il m'a dit que pour la modique somme de 2300 et quelques, ce sera résolu. Donc je lui ai proposé de mettre ma tête à la place de la sienne. Voilà. Voilà, là c'est fait. Voilà, je lui ai dit, on n'a pas le budget pour ça. On va attendre que ces messieurs, hein, soient prêts Ouais, pour lancer la choisissent course. les pneus et tout qui vont bien. De toute façon, humain, lui, on lui a mis les roues en bois, comme ça on est tranquille. C'est très écolo, dans une bonne démarche que ça se construit. Alors, on a 3 qui sont prêts sur 10, 4. D'ailleurs, je vais faire un petit rappel rapide en attendant que tout le monde se mette au vert. La soirée précédente, c'était sur Moto 3 et on était au Kimi Ring. Et la pole est réalisée par Joe Racing en 1,52 965. Le meilleur tour en course était réalisé par Naoi. Bah non, t'es pas là. Non, c'est Joe Racing. 52 531. Et donc le vainqueur Joe Racing, Scrambler deuxième, Penté troisième à la course de Portimao. La pole réalisée par Joe Racing de nouveau en 1,47 354. Et le meilleur tour en course toujours par Joe Racing en 1,47 531. Vainqueur du Racing, deuxième Penté, troisième Scrambler. C'était l'inverse de la course précédente. Au championnat, on a du Racing avec 160 points qui est en tête. Penté, deuxième à 94 points. Dilbos, troisième à 89 points. On a Scrambler qui est quatrième avec 85 points. Naoi, cinquième avec 59 points. Human, à sixième avec 56 points. Juste derrière, on a CBI à 55 points en septième position. Tilou, huitième avec 47 points. Yam, 41 points, neuvième. 10e, Kazuki India avec 37 points. Mascoun, 11e avec 18 points. Et Dodo et Maxi Francis qui ne sont pas là. Mais notre ami Dodo revient et il sera là à partir de lundi prochain. Prochain. Allez, on peut Eh bien, lancer. tout le Ils monde est sont tous prêt. On y over. va. C'est parti sur Motegi 2009.
Alors, pour une petite indication, Motegi au Japon, le record mondial était l'une 42.3. Donc, il y a quand même 3 secondes entre la pole qui va être réussie ce soir en moins d'un quart d'heure et en totale surprise. Mais c'est déjà un très beau temps. Allez, c'est l'heure. C'est parti, mon kiki! Banzai! Bon départ de Joe Racing. Scrambler et petit loup, hop là, hop là, hop là, hop là. Non, elle a Ah, chuté. une chute. Dommage. Et petit loup a chuté aussi. Ah, décidément. Ah, ouais. Premier virage, deuxième virage. Joe Racing. Jumbo, Svante, Ullmann, CB1000, Kawasaki India, Yann Mascoun, Scrambler et Tsilou qui ferment la marche. Jumbo en deuxième position. Ah, ça peut coûter cher des fois un freinage un peu trop tardif. Hein. C'est le cas de Kawasaki India qui a perdu quelques places dans l'histoire et qui sort et qui chute. Hop là! Et moi, je me mets sur notre ami Pente, la star de la soirée, qui a un beau petit cul avec son TT Boy, hein, et il a un beau casque. Hein. Vu de l'arrière, tu vois, je lui ai fait un 71 avec des flammes qui sortaient du 7 et du 1 qui font guise de bougie sur une forme qui rappelle la forme Nagato, pour ne pas la nommer. C'est assez sympa. Allez, Et je le vois vu de face. Yam qui est sixième, qui passe cinquième. Avec son numéro 52, année de naissance. TT Boy et son sponsor personnel, Pfizer. Je savais qu'il allait aimer la petite blagounette. J'ai toujours Allez. Kosuke India et Mascoun qui sont roulants. Ah, Dilbo soigne trop tard, Dilbo soigne trop tard. Pente en profite, non. Ah, Dilbo, s'il était bien derrière le racing dans le virage, là. Dommage. Et je vais redescendre un petit peu dans le peloton pour aller voir du côté de Kawasaki India qui a plus qu'une seconde 5 de retard sur Petit Loup. Oh, je ressigne le freinage. Je passe sous le pont. Humain qui se rapproche de Scrambler, Scrambler qui se rapproche de Yam. Ah, je me mets sur la vue caméra gyroscopique avant, où on peut contempler le joli casque de notre ami Pente, avec son joyeux anniversaire marqué sur l'avant de son casque. Voilà. On voit très bien. Ah, c'est la star du jour, hein, c'est son jour. On va le mettre à l'honneur aujourd'hui. Tout feu aux flammes et il passe Dilbos en dessous le pont. Oh, ah oui, à l'accélération. Ah, il Et est bon pas, Yam est en Pente, hein. forme, hein. Il suit Scrambler à la sixième place et Humain qui suit Dis donc, Yam. il a eu une double ration de pilules aujourd'hui, Pente ou quoi? Ah, Dilbos qui se loupe. Ah, Ah, et même pas ce Mascoun qui virage-là. vient de chuter également. Dilbos, même pas le premier virage. Faut tenir à mi-angle et très longtemps et relâcher pour ensuite prendre de l'angle. Enfin bref, c'est pas évident de Bah saigner. celui-là, je l'aime bien, moi. Moi, j'avoue, je l'aime bien et j'arrive à le prendre un peu dans toutes les catégories assez bien. Et c'est vrai que tu as beaucoup à gagner dans ce virage, hein, dans le premier virage. Hein. Ah Bah, c'est ouais. lui qui va commander le deuxième et là une des premières lignes droites. Ouais. Ah mais Il carrément, tu peux gagner un temps faut fou dans ce vraiment virage-là. travailler, la sortie. Hein. Allez, en attendant, petit loup. Ah, Dilbos qui chute. Oh, alors là, ça va coûter Ça va cher. coûter cher, ça. Attention, Dilbos, les points sont chers. Allez, Dylan.
Et du coup, on a Scrambler et Yam qu'on profite, hein. CB1000, hein, CB1000 troisième, hein. Avec sa Suzuki. Eh ben, très bien. Bravo, bravo. CB1000. Ouais. Il a 1,8 seconde d'avance sur Scrambler. CB1000 qui est toujours entre la 5e et la 6e place dans les qualifs. Et qui, ben là, commence à sortir son épingle du jeu au profit des chutes des autres. Tant mieux pour lui, hein, il n'a pas chuté. Voilà, je suis sur Dilbos. Reviens sur Yam. Je suis dessus, si tu veux prendre la vue, moi je laisse un petit peu dans le peloton. J'ai Kawasaki India à aller voir. Je suis sur Yam et Dilbos. Allez, Kawasaki India. Qui a une seconde il du revient, main. Il revient. Allez, premier virage, Dilbos là. Ah, il l'aime pas celui-là. Hein. Il prend mal. Hein. Voilà, c'est bon, il est passé. Allez, Dilbos. Il y a 12 jours à faire. J'aurais bien aimé que Kawasaki India soit sur une Kawasaki, tant qu'à faire. C'est la seule catégorie où elle se présente. Ah, on a perdu quelqu'un. Non, c'est BB1000. Mais non. Mais non. Alors ça doit vraiment être énervant. Parce que être troisième, tenir, être régulier, pas chuter. Et là, c'est une déconnexion. Hein. Ouais. T'as pas eu de drapeau, hein, rien du tout. Hein. Ouais, c'était direct. Hein. Ah, on est vraiment désolé pour toi, CB. Franchement. Là, c'est la haine, quoi. Ah, c'est pas cool. En attendant, Dilbos est en train de remonter actuellement sur Petit Loup. Mais il y a dû avoir une erreur. Ah, Petit Loup qui freine trop tard et qui s'écarte. Dilbos est passé 5, mais il y a Yam qui est toujours devant. Du coup, Jurassic perd un poil en tête. Pente est la 6 secondes derrière. Scrambler, du coup, sur le 3ème à 7 secondes et demie. Et on a Yam qui est en 4ème position. Dilbos a lui chuté encore. Il a encore loupé un de ses virages. Celui en bas de la descente. Les problèmes de frein ce soir, Dilbos. Il y a le quatrième. Hein. Donc il passe la ligne d'arrivée. Bah écoute, faut qu'il reste sur ses roues. Voilà. Bah très bien. La catégorie lui va. Il a trouvé un bon setup et une petite assistance électronique sûrement pour aider. Mais voilà, en tout cas, bah, ça paye. Hein. C'est très bien. Kawasaki India qui a la peine hein, ce soir. Iman qui écarte à mort là. Allez Kawa, on lâche rien. On lâche rien. Scrambler qui chute. Oh alors. Yam va être dans sa roue. Yam le voit là. Attention Yam, n'en fais pas. Voilà. Un peu trop sur l'intérieur. Et ça permet à Dilbos de revenir. Ouais. Il revient très très fort sur Yam. Là, il va passer à l'accélération. Le changement d'angle est bien. Ça passe. Ah, mais Yam n'a pas eu son dernier mot. Un gros freinage, une accélération. Ah, ce soir, c'est Dilbos Yam. Yam Dilbos. Ce soir, Pente à quartier libre pour faire ce qu'il veut. Voilà. Et il ne sera pas avec Dilbos. Ah, il a dû lui dire, c'est ma soirée ce soir. Je fais ma folle. Allez, on y va. Je reste seul. Je danse tout seul sur les sunlight. Alors, Maskoun est en bagarre avec Kawasaki India. Un est meilleur sur l'extraction, l'autre le freinage. Et là-dessus, le Maskoun n'a fait que Kawasaki India, qui avait 9 secondes de retard, les a récupérés. Ça bouge un petit peu pour Maskoun, mais l'accélération est toujours bonne. Maskoun bouge beaucoup hein, au freinage. Maskoun qui a un long lap d'ailleurs, enfin une pénalité.
Et il va devoir la faire, sinon c'est. Voilà, c'est trop Ben, tard. Hein. Il Kowalski, a Diop. le point Ah, d'exclamation, mais il donc l'a eu, c'est déjà pardon, trop oui, tard. exactement, c'est trop tard. De toute façon, Motegi 2009, il n'y a pas de long lap. Donc, Eh ben, ça répond à mon interrogation. Je me posais voilà. la question justement à ce sujet. C'est direct 3 secondes. Bam, ça c'est fait. On a Joe Racing qui caracole en tête avec 10 secondes d'avance. Penté, deuxième. Ah, il déchire son casque. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais franchement, ouais, sympa. Oh, attends, je vais me permettre pour nos En chers auditeurs, gyroscopique, tu te mets? je vais Mets-toi en aller gyroscopique. sur pente, Tu vas voir son simplement en vue casque. arrière, avec la vue arrière. En caméra gyroscopique, tu verras l'avant du casque. Scrambler, D'accord, je le troisième. vois, ouais. Un gros 52 sur casque blanc. Il bosse quatrième et Yann toujours cinquième. Hein. Allez Yann, pas de chute, continue Ah ouais. jusqu'au bout. Vous Titi allez Boy passer la 5 demi-course. Titi Boy 52. Tu verras sur YouTube, j'ai mis la vidéo, j'ai fait le tour de son casque. Par contre, Oh, sortie du racing. Hop là, il revient. Penté en seconde ah, derrière. il y a bien Titi Boy également sur ses fesses. La Oui, pente. il l'a aussi, ouais. Il a l'autocollant, Tite On Boy. l'a vérifié de fond en comble, de partout. On l'a retourné comme une crêpe. Ah, la grande folle. Et il y en a eu partout. On lui en a mis partout, dis donc. Sur les fesses, sur la tête. Ah, et non? Quelle gourmande! Voilà. Mais bon, d'un côté, il a signé, donc voilà, il fait Eh partie oui, du hein. groupe, hein. Voilà. Allez, humain, il a 4 secondes de petit loup. Je vais remonter légèrement sur les pilotes. Parce que pour Allez, l'instant, Dilbos. les batailles se font à distance. Dilbos, ça y est, il a pris ses marques là et il essaye de revenir sur Scrambler. Et Yam, tranquille, cinquième. Ça se passe bien. Et petit loup Sakawa, Petit loup sixième. à 5 secondes 4. Je suis sur Petit loup. Il attaque la descente. Human, septième Human. Petit loup a Il a fait un bien super sa plaque. freinage. Il était Bravo, bien à la Human. corde. Ah, il est propre, hein. Les enchaînements, il est bien. Un peu trop de vitesse dans la dernière courbe, mais il est Ah, bien. Shunekawa. Ah là là, il est parti de l'avant. Kazakinya Kawasaki qui qui a aussi a une fait sa propre pénalité. plaque. Kazakinya qui a fait sa propre plaque à lui-même, Tete Boy. Eh ben, je vais aller tout de suite dessus pour aller l'examiner sous toutes les coutures. Alors, caméra gyroscopique avant. Oh, tu vas sur sa vue, tu verras en haut à droite de l'écran. Ah oui, Eh ouais. avec l'animal de Predator, on dirait. Entre le 1 et le 3 de son numéro. Du racing, 8 tours, reste 4 tours. Ah, il y a du travail hein, sur le casque. Il y a un bel autocollant tout jaune au niveau du casque. Ah, la fameuse Yamaha Go de l'époque. Son déhanché ne me permet pas pour l'instant de voir ce qui est marqué. Ah mince, c'est la chute. Chute pour Kawasaki India. 9e tour pour Joe Racing. Ouais. Il prend Et un je tour vois aussi à qu'il vient de Kawa. passer Kawasaki India.
Dante, toujours deuxième. Scramber. Et Dilbos revient. Il n'est plus qu'à 2 secondes et demie. Il reste 3 tours. Kovacic. Dia qui rechute. Attention David, il y a Dylan qui revient. Et Jules Racing qui chute. Ah, ouais, mais il a 14 tours. Oh, petit loup qui chute également. Décidément, il suffit de se mettre sur un pilote pour que ça lui porte. Il a perdu la moitié de son avance. Hein. Alors, une chute. Allez, de 14, donc, il est passé à 8. Hein. Attention. Une autre chute et il risque d'avoir peinté, il arrive dessus. Hop là, il y va. Oh là 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 là. Il a freiné trop tard, il a guidonné et il sort de la piste. Il revient à Gravillon. Et il va encore perdre du temps. Et j'ai exactement le même phénomène avec du mec qui vient de sortir de la piste, qui rentre et qui ressort et qui chute. Décidément. Il n'a plus que 5 secondes, hein, faut pas chuter, hein. Ce Penté, lui, il va pas chuter, hein. Attention, Joe. Et bien démon. Attention. Allez, on va retourner chez Kawasaki, qui est vraiment à la peine, qui vient de se faire de prendre un tour par pente. Quel dommage pour lui, vraiment. Il bosse, il a moins de 2 secondes. Il reste 2 tours. Ah, mais je pense que la Kawasaki India, il a une bonne roue. Ça va lui permettre de se faire un petit peu plus à la 900 pour la deuxième course. À 990, soyons précis. Ah, Kawasaki India qui écarte et qui va dans les graviers. Il fait le forcing, il bosse. 1 seconde 8. Ça va être tendu. Comme un string. Voilà. Allez, je suis sur Mascoun. Aussi tendu que le string à Human. Donc c'est pour te dire. Lui qui aime porter près du corps bien serré. Voilà, la moto de Mascoun n'est pas stable hein, sur certains freinages, ouais, ça a tout pris que oui, c'est qui ferme c'est plus ses détentes avant et arrière. Je ressigne car prend un petit peu l'air, il a 6 secondes 4, mais faut pas rechuter, attention. Oh là 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 là, il va y aller, oh là là. Ce freinage tout pourri, et ben voilà, il a chuté. Ah, et là, mon ami Pelletier va passer. Il passe. Il est passé. Il avait 6 secondes d'avance, là, et ça commence à monter. 2 secondes, 3 secondes. Alors là, mon petit Joe. 3 secondes. Pelletier, il va rien lâcher, si jusqu'à le dernier tour. Hein. Reste sur ses roues pour son anniversaire, toujours ce que je lui souhaite. Et ben, ça mettra fin à la. Et rechute, c'est fini. À la domination, ça mettra fin à la domination. Joe Racing a rechuté. Il a rechuté, Joe Racing. Il a rechuté, donc là, s'il peintait, commet pas les roches qu'à la fin, Scrambler peut-être prétendre à la deuxième place, non? Écoute, hein? Non, ça semble stabilisé. Penté en tête, le jour de son anniversaire, 71 printemps, une petite à 8 victoire. Secondes, à 8 ce serait vraiment... deuxième. Ce serait vraiment super pour lui. Ben hein. Voilà, c'est les joli éléments. Cadeau d'anniversaire. Les éléments sont en phase hein, ce soir pour lui. Et il a 7 secondes 6 d'avance. Une belle marge. Voilà. Et du Racing rechute. Pas trop baisser le rythme. Il a rechuté du Racing. Ah, Joe, et il y a le Scrambler vient de passer. Et Dilbos est derrière. Basson à 3. Et Dilbos. Oh là là, pour la fin, ça va être terrible. Baston à 3. On a du Racing, Scrambler et Dilbos derrière. Allez, je fais un petit tour sur Petit Loup. Je remonte dans le classement. La Penté doit se régaler là. 13 secondes, oui.
13 secondes. Il peut se permettre une chute et revenir doucement sur la piste. Il belle est bagarre large. là, scrambler Joe Racing. Joe Scrambler, oui, je vois que ça change si tout se le temps. Passe et se repasse, ouais, ça se passe et ça se repasse. Et Dilbos est juste derrière. Dilbos qui travaille ses trages et il peut faire des choses là. Allez, faut rien lâcher. Hein. À une seconde. En attendant, dernier Yam tour a une solide cinquième place. Je suis resté sur la bagarre, moi, parce que. Yam qui, pour l'instant, dans son meilleur résultat, est une septième place. Et c'était à Mandalika en MotoGP. Donc là, 990, lui réussit ce soir. Même et si. Scrambler, Pilou il ne laisse pas faire. Hein. Scrambler se bat. Ouais, il a raison, est... il a raison. Scrambler était 4, hein. Il était quand même dans le peloton de tête, peut-être une petite distance, mais. Ah, mais. Mais Joe, ça le fait. Joe ça fait le bride fait parce qu'il a fait plusieurs chutes, donc. Ça peut. ça peut payer. PNT qui arrive au bout de la côte, il va revenir sur la bagarre. Ah, ça y est, il est passé devant Joe. Un scrambler qui suit derrière, mais bon. Une nouvelle erreur de Joe Racing, il va perdre beaucoup. Hein. PNT qui arrive en bas de la descente et qui va en terminer et qui va gagner la course le jour de son anniversaire. C'est pas beau ça? Là, voilà, les éléments. Franchement, il en aurait rêvé. Hein, il aurait signé direct dès demain. Voilà, je laisse sur PNT l'Eurozone. Je suis sur Dilbos. Le jour de 71 printemps, il va passer à une arrivée en vainqueur. Bravo PNT, bravo. Dilbos qui est plus qu'à. Ah, il a 2 secondes maintenant, il a reperdu. Ouais. Ah, Joe Racing terminé, ouais. Joe Racing deuxième. Scrambler troisième. Et Dilbos quatrième. Il y a mes petits loups qui finissent dans un mouchoir de poche. Ouais, je les vois là, je suis sur eux. Ils vont c'est finir. Kitty Bourrico. Oui, attention, freinage trop fort. Oh là là, petit loup. Non, ça passe, petit loup. Oh là 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 toujours là. Un petit peu trop tardif. Ils vont toujours se barrer dans les. Tardif, hein. Oh là 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 là, ça va jouer un poil de cul. Ouais, mais hey, ils se battent pas. Là, ils se battent ça les anciens pas, là, c'est ça beau. Ça passera hein. Pas. Alors lequel a. Ah bah c'est Yam. C'est logique, hein, à l'image, c'était lui. Hein. Ouais, ouais. Non, mais il était devant parce que ça prend toujours dans le dernier des quarts de circuit que c'est fait. Eh ben. Ça change. Eh bien, notre ami PNT a gagné. Notre ami PNT, pour ses 71 printemps, prend la victoire sur le circuit de Motegi ce soir. Et je suis très content pour lui. Dans un temps d'une 46-922. Et Joe Racing fait le meilleur temps de la course en deuxième position. Joe Racing. Lol. Deuxième. Hop là, deuxième. En 1.44.985, donc il est très rapide, mais bon, il fait trop d'erreurs pour gagner la course ce soir. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, Scrambler, très belle troisième position de Scrambler, en 1.47.054. Dilbos, qui était plus rapide, finit quatrième. Quatrième Dilbos. En 1.46.552, Yam cinquième, bravo Yam. 1,50, 2,95, une super bagarre et petit à la fin, franchement, c'était très beau, vraiment. Alors Yam, hop, Yam cinquième. Qui était rapide, hein. 1,47 à son meilleur tour, Humain 1,47,8. Regarde Petit Loup, 1,48, 859, sixième. Et non, Humain a fait un super chrono, 1,47, 891, oui, disons. Tout à fait. Bravo. Ouais, c'est 2,8 que certains de devant. Mascoun 8e en 1,50-126, donc Mascoun 8e. 9e Kawasaki India en 1,50-730, 9e. Eh ben, il y a eu des rebondissements hein, ce soir. Et donc c'est bien mis, bah, du coup 10e. Hein. Je t'avouerai que je suis pressé de voir la suite. Exactement. Hein Pan. Alors, donc, c'est voilà, bien, enfin, gauche, je suis pressé, mais bon, nos pilotes ont quand même fait une course 50%. J'ai pas vu CBMI se reconnecter. Non, il avait quitté. Donc on va voir là ce que ça donne. Et si on le voit pas là, on relance, hein, forcément. Bah, après son problème de déconnexion. Bah oui, de toute façon, on en est que là, ouais.
Il peut même revenir normalement, Hop, hein, ça y est, CB. je l'ai réinvité. On va l'attendre. Mais bravo à notre ami Pente qui a gagné cette course. Franchement, content pour lui. Je pense que ça va le mettre en confiance pour Sepang. Et ça va laisser Joe dans le doute, quelque part. Parce qu'il y a quelques virages qui sont très délicats à aborder hein, sur Sepang. Notamment le dernier droit. Allez, c'est bien, on t'attend. Je sais pas si c'est sur le live, mais on t'attend. On pouvait pas t'inviter avant, bien sûr, ce qui est normal. On peut pas. Ah, voilà, le voilà. Voilà, CB. Il est là, tout le monde est là. On va être au complet, c'est bon. Alors, hop là. Bon, j'attends deux petites secondes quand même pour lancer les essais, parce que bon. Faut qu'on oui, ils ont peut-être pousser besoin les dans les d'aller orties même, quand même. Moi, souvent sur les courses, j'ai tendance à suer les mains et quand je peux aller me laver juste un petit peu les mains histoire de me retrouver mieux, c'est pas plus mal. Bah écoute, si t'as des infos à nous communiquer, pour passer un petit peu de temps, pour laisser nos amis faire un petit pipi, boire un coup, se laver les mains. Alors je dirais, là, une info, c'est un petit clin d'œil à Humain, c'est qu'il reste encore à la 800 cm3 pour avoir la chance de rouler sur le circuit de Bornéo. Ouais, mais c'est la dernière. Mais ce sera la dernière. Voilà, donc quand la 800 tombe, il faut qu'il prie le ciel à ce sujet. Comme, ou les dieux, comme il a fait dans le Discord. Apparemment. Voilà. Sinon, non, comme petite info, Best Scrambler, c'est son troisième podium. Il a déjà réussi à faire deux troisième places sur cette course pour l'instant. Voilà, Dilbos, lui. C'est la deuxième fois qu'il n'est pas sur le podium. Il n'était pas sur le podium à Portimao. Et il ne se retrouve de nouveau pas sur le podium à Motegi. Si on prend notre héros du jour, Pente, il a réussi à faire deux deuxièmes places, à faire deux troisièmes places et à faire deux quatrièmes places. Et là, il vient de faire sa première place. Ah, franchement, bravo à lui. Il a profité des erreurs de le jeu racing, écoute, hein, c'est la course. Après, pour Yam, si on regarde les performances de Yam, qui a déjà fini 10, 11, 17, 8, 9, et là, sa meilleure performance, c'est bon, ce en tout soir cas, pour Yam, avec sa cinquième place. Ils Alors nous ont qu'il avait régalé été dans le dernier déconnecté, tour. Je tiens à signaler qu'il avait été déconnecté quand même durant les qualifications, avec Kawasaki India. Tout à fait. Et bah, il a su ils ont tirer vraiment son épingle du jeu. Ils nous ont fait une belle bagarre, là, petit Lou et Yam, dans le dernier tour. Franchement, bravo, messieurs. Ça a dû bien s'amuser et très ça, beau. Ça fait plaisir, même pour eux, hein, de s'amuser à se battre. C'est vraiment bah, une bonne chose. Ils auront plaisir à se voir se battre sur le live. Hein. J'étais sur eux, donc voilà quoi. Bon, qu'est-ce que t'en penses? On va lancer ben, on va y aller. Hein. Petit Lou, sinon, a déjà réussi à faire une sixième place. Et donc, on va. Donc, c'est sa deuxième sixième place. C'est le concernant. C'est Pang 2022. Je sais plus. Allons-y. Le record du monde étant 1,55,815, détenu depuis quelques heures par Platin. Bah ouais, hein, il les a tous battus. Il s'était énervé. Les uns après les autres. Pour faire ça, ouais. Les eh uns ben, après les autres. Ça encourage à aller encore plus loin. Et à noter, il a utilisé quasiment partout le même setup sans rien changer. Même châssis, même boîte, rien à foutre le gars. Il est parti, il a battu tous les records. Tous, les uns après les autres. Impressionnant. Je l'ai vu en direct, moi. Bon, voilà quoi. Mais j'ai l'impression que sa moto est très coupleuse. J'ai regardé les rapports de boîte qu'il avait par moment. Il fait quelques modifications si jamais le circuit comporte une ligne droite un peu plus lente ou si jamais les virages sont différents. Je le voyais jouer beaucoup entre la première et la troisième vitesse pour les augmenter ou les descendre, mais au feeling. Hein. Voilà, c'est une fois qu'il s'est installé avec une boîte, et ben voilà, c'est bah, les jeux sont faits et puis il fait. Faudra que je regarde. Faut que j'étudie un petit peu. Tu regarderas son live sur Valence. Et ce qu'il fait à la fin de la vidéo, il va scruter virage par virage. Voir là où il est passé. Oh. Ouais, tu verras. D'accord, c'est très pro.
mais pour voir comment il était et surtout l'angle que devait avoir la moto et la direction qu'il avait, voir s'il peut Ben, tu s'améliorer pour verras. rentrer plus, ouais. Ah ouais, ben c'est un vrai travail, hein. Et puis il faut savoir arriver à comprendre le travail qu'on fait. C'est autre Impressionnant. chose. Impressionnant. Penté, grand vainqueur de la première course, qui adore le circuit de Sepang. Alors, le premier à être sorti, c'est Petit Loup. Donc c'est le premier qui allume en rouge. Allez, Petit Loup, donne-nous tout de suite le temps de référence. Et je vais rester sur Petit Loup. Hein. Bon, après, c'est Dilbos, je vais rester sur Dilbos. Il a une Hop, 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 il a mordu Dilbos. Kawasaki. Petit Loup, il est remonté. C'est Prang du Racing Amiens aussi. Donc voilà. Mais quand on voit les résultats course après course et qualif après qualif, il est dans une phase ascendante, le petit loup. Hein. Doucement, mais sûrement, il augmente. Faut juste qu'il pense à pas freiner trop tard. C'est son principal défaut, mais il est en train de le corriger. Je vois là, il prend vraiment de beaux intérieurs. Très souvent. Les premiers, c'est Penté, Petit Loup. Et du Racing et ah bah Human il a chuté donc comme ça c'est fait. Non, ben, Petit Loup, il va. Ah non, non, il y a quelqu'un devant Petit Loup, j'ai pas vu qui c'était. Mais je reste sur Petit Loup. Mais Dilbos va plus vite que lui, donc quel que soit le temps de Petit Loup, il risque tout de suite d'être battu. Ah, chute de Petit Loup. Oh non, quel dommage. Ouais, je vais filer sur Dilbos. Oh non, qu'elle est sur lancer. Ben bon, on va aller voir Pente. J'y suis. Ah bah Ça alors va l'enjeu. je vais aller voir Joe dans ces conditions. Allez, vas-y. Alors, pointé. Ah, il exploite le Ben, moteur de la Honda. Il passe bien les voilà. rapports hein, par rapport au son que ça procure. Il a pas la peau, le Joe. 1,59. Donc je rappelle le record de Sepang en 1,55,8. Et là on a 1,59,5. Donc c'est juste pour dire que là pour l'instant il y a encore 3 secondes. Pardon, 3 secondes 7 qui séparent. Non, mais il est sur une autre planète, hein. Mais ça va quand même vite. Hein. On rappelle, hein, il y a les annonces pour l'ensemble des circuits et la catégorie, elle se fait un quart d'heure avant le départ de la course. Donc personne ne peut s'entraîner. On y va avec le setup dans lequel on a confiance. Et puis on se lance. On se lance. Et oui, ça doit être 3 secondes et plus de 3 secondes et demie. C'est quand même vraiment bien pour un premier tour au feeling. C'est la limite, tu peux pas prendre comme point de repère le chrono platin parce qu'il est rouge sur notre planète, quoi. Non, J'en bien suis eu sûr. deuxième ou Mais troisième, c'est mais ne serait-ce premier. que pour, voilà, si vraiment on veut rester dans une chose un peu plus normale, c'est une 40, une pour là, c'était, on va dire, dans l'une 58. Dans l'une 58 où on est dans les records du monde. Donc on n'est qu'à une seconde Bah. 5. Quand il a pris le record à Sepang, j'étais dessus, hein. Je le voyais, hein. Je l'ai vu quasiment toute sa vidéo. Ah, c'est impressionnant. Même quand il freine, ça bouge pas, enfin, toi, ça s'écarte pas, Ça enfin. bouge pas, ouais. Voilà, c'est incroyable, quoi. Je suis en train de regarder ces façons de freiner. Sa Mais le moto, problème, elle est c'est collée par que terre, quoi. ça ressemble aux miennes, quoi. Donc il y a d'autres choses que lui fait que moi je ne comprends pas encore. Oh, c'est certain. Et bon, j'en démords pas, je suis un têtu à ce niveau-là. Je trouverai. En attendant, Joe a augmenté Son son capital avance, de sa pole. 56. Ouais. Il est en 1,59. J'attends d'avoir quelqu'un qui va prétendre à un deuxième petit bâton orange et Joe qui n'en finit pas, rallume en rouge dès le premier secteur. Allez, Mascoun. Je suis sur lui.
table au stand. Dilbos, Dilbos, c'est quatrième. Qui a bien négocié le premier virage, il écarte très un peu légèrement le deuxième. Excuse-moi Thierry, je t'ai coupé. Pas grave. Ah, et chute du Mascoun. Il a relancé Joe parce qu'il était en rouge, il a arrêté. Je suis sur Dilbos, t'as Kawa et t'as Human qui est en train d'améliorer. Je suis sur Kozkindia. Il peut faire une grosse amélioration, vu le chrono. Il y a Pente qui est en train d'améliorer. Pente, Pente. Les chutes de Kozkindia, on va aller tout de suite sur Human. Ouf, Human qui est passé comme une fusée. Il a oublié de freiner, je crois. Il freine, hein. Mais ça va. Allez, si c'est compté, c'est compté. Allez, vas-y. Accélération. Une demi-seconde gagnée pour Pente. Il y a Dilbos qui est en train d'améliorer. Dilbos, Dilbos, Dilbos. Hop. Calme dans le dernier virage. S'il va aller chercher ce scrambler. En attendant, je suis sur Yann. Oh, grosse amélioration. Dilbos passe deuxième. Une seconde. Ah. Bravo, Dylan. Il est en train de prendre la mesure. Moi, j'ai l'impression que ça va être très chouette pour. Il a pris une seconde 3. D'un coup. Bravo. Non, Dilbos va faire. Il faut aussi. C'est quelqu'un qui est très rapide. Mais voilà, il sûrement comme pente. Il fait partie de ces personnes. Moi, le premier à avoir besoin de s'entraîner pour arriver à bien comprendre les choses. Joe est beaucoup plus dans l'instinct. Ce qui lui réussit fortement bien. Belle amélioration du man hein, qui est passé 7ème. Et Yam qui nous a fait déjà un temps. Il a 6 secondes, mais il a fait un premier temps. Allez, petit loup. C'est Bémy qui vient de chuter. Pente qui allume en rouge le deuxième secteur. Ah, ça coule. Il est en forme. Le deuxième secteur, c'est pas forcément celui où on fait une grosse différence. Le premier secteur, oui. Le deuxième qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans le gâteau pour qu'il soit aussi en forme aujourd'hui? Bizarre, moi je dis. Moi c'est bizarre. Hein. Je sais pas, ou alors on lui a soufflé la bougie aujourd'hui, donc il est tout fait, tout flamme. Mais de toute façon, on peut que faire confiance à nos pilotes. Hein. On n'a pas les moyens d'aller faire des tests sanguins d'urine et tout sortes de choses pour voir si certains ne se dopent pas pour ce soir. Donc. C'est pas évident à faire. Le Racing qui va améliorer. Peut-être que Pente est ultra chargé ce soir. Mais on pourra jamais le vérifier. Le Racing qui améliore. Et Joe qui est redescendu de 6 dixièmes. Et Dilbos qui est en train d'améliorer aussi. Et j'ai Mascoun qui a une belle amélioration. Mascoun qui monte à 5 secondes 6 à la 7ème place. On va Pente. Ah, dommage, Dilbos a chuté, il est en amélioration. Je ne sais pas quel était son cadeau à notre ami Pente. S'il l'a pas encore, il est motivé pour l'avoir. On se demande ce que c'est, hein. Franchement. Ben, moi, je dirais que c'est forcément quelque chose qu'il aime bien. Ah. Pour être aussi motivé ce soir. Écoute, est-ce qu'ils ont téléphoné à 3615 Cordula? On dit si tu gagnes ce soir, c'est cadeau. Ah, il est motivé là, Pente. Un an d'abonnement gratuit. Un abonnement d'un an à Pornhub. Voilà, bon, Ula maintenant. Qu'est-ce qu'il va se mettre ? On est d'accord, Ula n'est plus toute première jeunesse, mais bon, non, elle est sûrement encore très belle. Hein. Elle a échappé à la future loi qui veulent nous la mettre profond là. Elle doit être à la retraite maintenant, c'est bon. Voilà. Alors, c'est Bémil qui chute dans ce fameux droit qui est l'un des. Il y a plusieurs endroits où c'est très délicat le freinage et c'est Bémil vient de chuter justement à cet endroit. Là, c'est sympa, on a Pente avec Joe Racing derrière. Pente qui est en train d'améliorer et Joe Racing arrive comme une fusée qui a tout allumé en rouge. Eh ben, ça descend bien, hein. Il s'est loupé un peu Pente au freinage. Ah, c'est mauvais pic. Non, c'est bon. Alors, Pente. Hey, petit loup, n'accélère pas trop. L'accélère fort.
La vache, une 57-8. 22e, Dilbos Kichus, Rambler au stand également. Wow, Jurassic, il est beau celui-là. Ah, j'ai glissé, chef. Ah, je suis tombé par terre. 150 millième de. Un peu plus de. 150 millième d'amélioration. Ouais. Mais il adore se rouler dans le sable. Ça pique de partout après, ça gratte, on en a. Ah. Mais il y en a qu'un. C'est ainsi. Alors. Je suis actuellement sur Kawasaki Tilou, seul représentant de la marque. Ah, qui chute en écartant, il faut beaucoup plus le prendre sur extérieur, intérieur, comme les grands classiques de la moto. Intérieur, oh, Mascoon, et... il a fait un stoppy en plein virage. La Ducati, elle a pas aimé. Ouais. Allez, Yam. Je suis dessus. Bon, pente améliore en tout cas. Elle est 1,8 seconde, elle doit se réduire. Là, je suis sur Human qui est 6e. Et je vais me mettre sur Penté qui est en train d'améliorer encore. Oh, il a la patate. Hein. Il veut prouver qu'à sauter en ce printemps, il en a encore sous le pied. Hein. Il prend bien la dernière courbe. Hein. Et dans la poignée. Droite, là, tu sais. Et dans la poignée. Ouais. Il a le manche solide, le Penté. Hein. Voilà, pour avoir un meilleur contrôle, il faut un manche solide. Mais ça, on l'apprend avec le temps, apparemment. Donc voilà. Oh oui, mais je ne sais pas si c'est le cas, c'est le sponsor. Dis donc, ça là. Voilà. Ah, c'est un tout. Quand les éléments sont réunis, allez Yam qui améliore, parce qu'il est actuellement toujours à 7 secondes. Il met 8 dixièmes à Dilbos, hein. Il met 8 dixièmes à Dilbos, hein. Ah, c'est beaucoup. Dilbos a du mal, hein, en 990. Ah, enfin, il est en train d'améliorer, là. Il est en train d'améliorer, Dilbos. Il est très rapide, mais j'ai vu sur les courses, les deux 990 qu'on avait fait, pas forcément la catégorie dans laquelle il peut, pour moi, se trouver le plus à l'aise. Sur les freinages. C'est les freinages. Ah, c'est... Je l'ai vu fauter sur les freinages. Hmm. Comme là, il écarte un peu. Et pourtant, faut pas hésiter à utiliser l'arrière. Allez. Hein. Allez, ça va donner quoi? Oh non, on sort pas là, bah, déconne pas. Ouais. Bam! Eh! Il n'est plus qu'à 1/10! 1/10 de Penté! C'est bon ça va être chaud la course! Ah, ça va être serré ça! Hmm. Allez, Scrambler! Bon, gros délai quand même de jeu, hein. Sur les autres. Hein. Mais ouais, 1,5 seconde là. Mais bon, hein, tu vois la course d'avant. Bon. Oui, c'est. Une course à gagner quand tu passes la ligne, hein, pas avant. Oui, de grosses erreurs, hélas, de Joe qui ont vraiment fait perdre la première place alors que c'était gagné. Hein. 1,57-8. Hein. Allez, Penté. Et Kawasaki India qui remonte à la 6e place. Un très grand bond en avant. Human qui chute est en amélioration. Ah, je voulais voir Human. CB1000. Bon, il y a forcément de l'amélioration dans l'air. Hein. Ah, petit loup n'aime pas ses pangs, j'ai l'impression. Ah, il est dans les mêmes chronos quasiment que Yam. Ah, c'est Pang, il y a beaucoup de virages où il doit être en mi-accélération et c'est pas forcément évident à doser. Ah, Penté, il se prépare pour faire un dernier tour, mais c'est trop tard. Ah non, c'est mort. Ah, c'est la fin. Ah non, c'est mort. Ouais. Ou alors il a ralenti, s'il en avait marre. On a zéro. Il est fatigué de la main, Penté. Mm. Il est fatigué de la main. Voilà, là, terminé. Il peut reposer ses mains. Il va se réserver pour la course. On va attendre un petit peu parce que ça va être long, c'est Pang en 900. Et d'ailleurs, ouais, ça faisait quand même pas mal de tours, hein, 50%. Hein. Eh oui, on était à 12 tours. Ouais. 12, hein, oui. Ouais. Et long, hein. Bah, ça fait, en fait, c'est comme si on faisait un grand prix en 100% en tout, hein, au final. Hein. Ça vient à ça, ouais.
Mais j'ai eu un gros doute, 35, 50, 50, 35, je savais pas trop. Je savais pas combien de tours ça allait faire. Et à la limite, 35, ça aurait fait trop peu. Ça risque d'être un peu... ça fait un peu long. Ouais. Peut-être qu'un jour, on introduira nous-mêmes les courses rapides. Ce serait bien. Ce serait carrément bien. Pour voir. Mais voilà, pour l'instant, on va rester sur le classique. C'est tel que c'est défini dans le règlement. Exactement. Mais ça va être long pour eux. Bah allez, dernier effort. Il y aura d'autres propositions qui se feront. Je vais rester sur la star du jour. Pente. Magnifique victoire dans la première course, hein, je le rappelle. Bravo à lui. Il a profité des petites erreurs de notre ami Juracing. Qui s'est roulé quand derrière même réussi, plusieurs fois. Oui, il a quand même réussi à raccrocher la deuxième place. Ouais. Et Humain, qui vient de passer en orange. Il est suivi par Juracing. À quelques longueurs. Allez Humain. Il faut aller très délicatement sur la première partie. Parfait. Superbe dernier virage de Humain. Ça accélère. Ah, il coupe. Il accélère pas la fin. Alors que les derniers pilotes rentrent au stade. Et voilà. Jetons un œil sur le classement. Et donc la pole pour Juracing de nouveau en 1:57.843. Deuxième en forme, notre ami Pente en 1:59.379. Dilbos à un dixième. Troisième position, 1:59.479. Donc vraiment un dixième pour tout rond. Scramble à quatrième en 2:00.881. Cinquième, CB1000 en 2:01.583. Sixième, Kawasaki India en 2:02.585. Human, septième en 2:03.286. Siam, huitième en 2:03.652. Mascoun, neuvième en 2:04.018. Et Tiou, dixième en 2:04.654. Ouais, la qualification pour Petit Loup était plus dure. Hein. Ça a été compliqué là. Ça a été compliqué. Bon, on va attendre un petit peu, laisser reposer les mains, parce que c'est pas que ça va être la guerre. Mmh. En attendant, Kawasaki India nous offre une belle sixième place. Hein. Tout à fait. Et juste derrière CB1000. Ouais. Bon, je vais attendre que vous soyez tous au vert pour lancer. Prenez votre temps, les gars. Mmh. Donc, c'est vous les maîtres du jeu. S'il y a une envie de dernière minute, faites-le. Il n'y a aucun souci. Tout le monde pourra comprendre. Deuxième course de la soirée. Ouais, plus que trois pilotes. Être rouge 2 alors oui c'est pas que c'est un circuit où il fait chaud hein. Donc le choix du pneu avant il ne faudra pas choisir le soft. Le médium pourrait convenir après. C'est plutôt l'arrière. Le choix entre le médium et le hard. C'est quand même 50%, donc ça peut compter. Mais je pense que le médium devrait pouvoir tenir. On attend plus de CDM pour y aller. CB1000 qui fait travailler la pression. Et voilà, ça y est. On a décidé que c'était le bon moment. On peut y aller. Et bien c'est parti messieurs. En avant pour cette deuxième course de la soirée. De notre championnat. Et on arrive à mi-chemin du championnat. Hein. Ah oui. On est à la moitié. On est à la moitié, juste avant le départ. Mais la moitié des courses vient d'être réalisée. Et c'est parti.
Allez. Allez, un beau groupe. Tout le monde roupir. Petit loup qui démarrait dernier est à mi-peloton. Il va passer quatrième, trois... quatrième. Ouais, ça... Allez, on y va tranquille. Pas de chute, ça c'est cool. Ouais, ou même s'il y a eu du monde dans l'herbe. Hein. Je suis sans le milieu, dans le milieu du peloton avec un petit loup. Ok, la Jo qui a déjà pris un petit, tout petit peu d'avance, tout de suite. Il va essayer de se racheter de sa première course et Penté derrière. Hein, En embuscade. Penté, Scrambler, Dilbos et Petit Loup. Et Mascoon. Petit Loup tient hein, pour le. Oh, Dilbos il a fait un freinage là. Petit Loup qui est là. Toujours. Ces petits démons, un petit loup. Bah écoute, si Penté est futé, il reste derrière Joe, puis il attend qu'il chute. Voilà. Voilà. Sans lui donner trop d'avance. Il attend que Joe fasse sa coquille et roule dans l'herbe. Il y a 10 tours, il y a, je le répète, plusieurs endroits où il faut vraiment faire attention. Mais ah, c'est la grosse bassine entre Dilbos et Scrambler. Rien n'est joué, on n'a pas de chute, on n'a pas de chute. Non, et c'est la grosse bagarre. On a un léger écart de petit loup, mais c'est tout. C'est la grosse bagarre entre Scrambler et Dilbos et maintenant Penté. Si Joe chute, par exemple, première chute. Si Joe chute, il se retrouve dernier. Mais Kawasaki vient de chuter. Oh, Dilbos, le freinage. Le vilain. Il a fait un freinage là, mais laisse tomber quoi. À peine qu'il tient le choc. Hein. Il y a Humain qui vient de prendre une place, mais qui se fait prendre la spi par Mascoon. Et comme il le traverse, forcément, Humain reprend la spi. Ça va se faire au freinage entre les deux. Les deux écartent, forcément, ils allaient plus vite. Et Petit Loup qui est juste derrière. Allez, Dilbos, Scrambler, Penté. Allez, pensez à votre âge et pas au pilote de devant. Eh, hey, Scrambler, il lâche pas Penté, hein. Il est bien derrière, hein. Ah, il y a de la bataille, hein. Il y a de la bagarre. L'origine, il essaie de s'échapper tout de suite. Il a déjà 2 secondes de l'avance sur Penté. Un Humain qui prend un léger avantage sur Mascoon. Actuellement, même s'il est léger, hein. On a quasiment le même écart entre Penté, Scrambler, Dilbos et B1000. Ah, et Petit Loup qui vient de prendre la 7ème place à Mascoon. Ah, il y a une bataille Dilbos-Scrambler. Hein. Scrambler-Dilbos, Dilbos-Scrambler. Oh, Human qui chute. Human qui chute. Et, ouais. Alors que j'étais et en caméra gyroscopique sur son joli casque avec son TT Boy sur la montagnère. CBI, 5ème. Dilbos, Scrambler, Scrambler, Dilbos. Ils sont l'un dans l'autre. Ça n'arrête pas. Ah, ça n'arrête pas là. Ouais. Ils sont l'un dans l'autre là. J'ai bien l'impression que Pente a laissé tomber des petites pilules bleues sur la piste et que les autres les ont avalées. Et ils ne se lâchent plus. Il était généreux, il en a eu trop pour son anniversaire. Il partage. Bel esprit, voilà, le bel esprit de partage. Ah, mais tout à fait. Petit loup qui chute. Petit loup qui chute. Et Mascoon, donc, qui conserve. Ah, joli l'intérieur de Dylan, là, sur Scrambler. Scrambler qui lui rend la monnaie de sa pièce. Hein.
On va remonter sur CB1000 qui a vraiment dit le boss et puis Scrambler. Oh, Rose Guinda, drapeau noir. Mon Dieu. C'est pas nous, hein, Kava. Ah, bah non, nous, non, hein. On choisit toi, pas hein. De. Non, non. On sait pas ce qui a pu se passer, mais. Drapeau noir, on sait pas ce que c'est, nous. C'est dommage. Quoi qu'il en soit. Eh, Pente, il a pris un peu d'avance, hein. Il prend un peu l'air, là. La Bayard, toujours les mêmes, c'est Dilbo Scrambler. Ah, Dilbo fait le forcing. Ils ont un petit peu l'écart entre les deux. Il a autant d'avance sur Scrambler qu'il a de retard sur Pente. Donc il fait le forcing. Humain qui écarte. Qui était juste derrière Reptilo, Humain vient de perdre une place au profit de Yam. Oh, j'ai des trajectoires qui sont différentes entre le freinage, le passage de courbe et la réaccélération. Mais ça, les deux sont efficaces pour chacun des deux, que sont Yam et Humain. Oh, Humain qui a fait un freinage qui fait sortir au-delà de la limite extérieure de la piste. Mais qui recoupe et qui va justement devrait profiter de sa réaccélération durant tout le long virage de droite. Effectivement, il a pris une petite avance. Je sais pas s'il arrive à Kawa. S'il est reparti à l'envers ou de la piste ou je sais pas. Là, il est sorti du serveur. Un bug. Bah, il a peut-être un problème lui-même. Parce je suis devenu le boss. Ah, est-ce qu'on bleu en profite. Oh. Le Racing, hein, qui a 5 secondes 5, 7 d'avance, 4 tours. Et on voit que les 6 premiers n'ont actuellement fait aucune erreur. Ouais. Bah, pas la chute de Dilbos, mais pas de. Ils ont pas mordu. Eh bah, ben, c'est CB1000 qui en profite, hein. Exactement, et 4ème. Allez, Dilbos, on lâche pas. Ouais, Yam qui en veut, hein. Il veut remonter sur Humain. Et il remonte, oh là là, il nous a fait un de ses passages un petit peu écartés, mais il repique. Ah, il repique trop fort. Et c'est Humain qui reprend. En tout cas, une belle bataille pour les deux. Je pense que Yam, il va nous faire un freinage de la mort. Il fait le freinage de la mort. Il écarte un peu, il va repiquer. On va voir si ça va être rentable. Actuellement, c'est plutôt rentable dans la ligne droite. Yam, sans aspiration, va passer Humain. Alors, ils sont maintenant arrivés en fond de 6. Et Humain qui fait un énorme freinage. Le freinage de la mort à son tour. Il écarte au deux tiers. Bah, c'est joli, hein. C'est joli à voir. Bon, devant, pas trop de... Non. Non, pas trop. Mais moi, ça commence à s'épuiser un peu. Toujours c'est Yam. Du racing. Yam qui oh là, est... c'est un gros écart. Hop, 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 il a failli chuter. Et là, il a rechuté là. Pente passait, hein, c'est sûr. Allez, un petit coup de troisième personne pour voir Yam. Avec Humain en point de mire. Oula, ça c'est la descente en première, faut juste rétrograder en seconde, c'est un peu trop dans le virage. Que ce soit Pente, Scrambler, CB1000 et Dilbos, ils ont quasiment le même écart entre chacun d'eux. Un jeu déroule. Là. Là ce soir. Pente a soufflé son gâteau anniversaire et il a bien l'intention de remettre les choses dans l'ordre qu'il définit lui-même à travers son potentiel.
Une boîte fait le forcing pour revenir sur ses 2000. Ça remonte, hein, fort, très fort. Riam a de bons repères de freinage. Hein. Il s'est bien freiné. Il y a plus d'une seconde entre Scrambler, entre CB1000 et Dilbos. C'est CB1000, ouais. Là, il y a 0,8 maintenant. Mmh. Ah, ça va descendre. Ça risque de remonter aussi pour lui. Il va rester sur eux parce que c'est en train de chauffer. Toujours 0,7 pour l'instant. Ah, ça descend. Ça revient fort, ça revient très très fort. Il est quasiment... Ah, il s'est un peu loupé là, Dilbos. Il va reperdre. Allez, la mi-course a été franchie là. Ouais. Allez, Dilbos, ouais, tranquille. Ah, je suis de Yam. Ah oui, Yam qui était à 2 secondes d'humain, mais ce qui va faire en profit. Bah, Tilou en profite tout de suite. Hein. Tilou a donc pris la 8ème place. C'est même Dilbos pour l'instant, c'est les plus serrés de tous. Mais Dilbos, je pense qu'il va prendre ses précautions pour remonter sur CB1000. Bah, c'est ce qui, notamment sur Sepang, c'est ce qui avait coûté la deuxième place à Dilbos. J'étais troisième et c'est son écart dans le dernier roi qui sur un écart, m'a permis de reprendre la deuxième place à notre soirée spéciale de vendredi dernier. Qui était bien sympa. Bon, j'insisterai pas, mais bon, je persiste quand même que Joe a fait la chachotte à Termas. Il a pas mis le petit coup de frein pour se battre avec moi, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Il est un peu compétiteur, enfin il est un peu. Il est compétiteur. Non, là concrètement, il a pas été compétiteur, il a fait la chachotte, voilà, c'est tout. Bah, parce qu'il avait peur, c'est tout. Ouais, mais c'est compréhensible. Parce qu'on a vu très bien les temps que tu avais pu faire. Hein, et puis surtout quand on sait que c'est ton circuit de référence. Donc voilà, on s'amuse pas dans ces moments-là. On s'amuse pas. Ouais, avec, mais Joe, avec un non. Il m'a déçu là sur ce coup-là, il m'a déçu. Scrambler est toujours devant Dilbos, il a dû faire une erreur, c'est la 3 secondes 2. Ah non, 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 c'était avec CB1000 qui se battait, il est passé devant Dilbos. T'étais sur il qui est passé devant. Moi je reste un petit peu figé sur petit loup, je vais un petit peu également changer, mais... Non mais Dilbos revenait sur CB1000, il est passé maintenant, il est devant CB1000, il est quatrième. Humain qui se rapproche. Ah là, c'est bien. J'ai une petite bagarre là entre Humain et Mascoun. Ah oui, là, il est très proche. On va tout de suite passer en vue hélicoptère. Deux tours. Et on va apprécier les trajets. Je vais rappeler le classement. Joe Racing premier. Deuxième, Pente. Troisième, Scrambler. Quatrième, Dilbos. Cinquième, CB1000, Mascoun et Human roue dans roue. Sixième et septième, ouais, petit loup. On sent qu'Human a un léger avantage. Huitième, Yam, neuvième. La Yam fonctionne mieux que la Ducati. C'était ainsi à l'époque. Ouais, il fait pas l'erreur là, ce coup-ci, Joe. Ouais, hein, Human fait pas de bêtises, Mascoun en a fait une, ça laisse une petite respiration à Mascoun. Ah, pardon. À Humain, sur Mascoun. Et Scrambler, pour l'instant, tient son podium. Hein. Il a 2 secondes 7 d'avance sur Dilbos. S'il ne commet pas d'erreur, il peut accrocher le podium.
On va arriver à la fin du 8e tour. Ah, Yann qui semblait remonter sur Petit Loup. Freinage. Allez, Durassine va rentrer dans le 9e tour. À mon dernier tour. Voilà, c'est chose faite. Calzé qui arrive dans le dernier virage. Allez, 2 tours à tenir. Scrambler pareil. Et Dilbo, s'il n'est pas très loin. Il revient. Et s'il va avoir le temps de revenir. Ouf, sur 2 tours, faut vraiment un rythme très soutenu. Hein. Ouais. Écoute, il a 2 secondes de retard. S'il arrive à prendre 1 seconde par tour, il peut prétendre à une attaque dans les derniers virages. Mais sinon. Ah, petit loup, toujours trop tard au niveau des freinages. Et on a Maskoun qui est suivi également de Yam, pas loin. Ça se maintient toujours 2 secondes 3, des beaux scramblers, donc ils ne commettent pas d'erreur. Ça va assez figé. Alors, du Racing qui caracole en tête, avec 16 secondes d'avance. C'est impressionnant. Profite Joe, lundi prochain, ça sera plus dur. Alors, si c'est de la moto I, hein. Il faut à tout prix que Dodo pense à ne pas mettre de soft à l'arrière. C'est suicidaire, je le rappelle. Sinon, il la gagnera pas. Hein. Ouais, là, c'est clair. Suicidaire. Même le médium, c'est pas un pari. Il faut mettre du hard. Chute de Jurassic. Et puis elle est belle celle-là. Ouais. Eh ben chute de Yann. Oh là là là. Quelle chute il nous a fait là. Alors, attention Joe. Il reste un tour. Ah, par contre, alors on a Maskoun, Human et Petit Loup qui sont en train de se resserrer. Ah, Maskoun qui vient de chuter. Human qui s'est écarté et qui a laissé, qui a perdu 4 secondes dans l'histoire. Ils étaient à moins d'une seconde. Et là, ils se retrouvent. J'ai loupé un truc, c'est dit boss, il a 6 secondes maintenant, donc il a dû chuter ou faire une grosse sortie. J'ai pas vu. Et CB1000 est à 1 seconde 5 derrière. Alors, du racing, est-ce que le démon va frapper encore une fois dans le dernier tour? Attention, Jo, attention. Penté, lui, il prend, hein. Scrambler sur le podium. Dilbos qui suit, qui attend la moindre erreur, qui remonte. Jurassic qui arrive dans les derniers virages. Et chute d'humain. Dommage. Penté Scrambler, ils ne sont pas quittés à distance respectable, mais l'écart n'a pas grandi. Donc Scrambler a été très performant. Moi ouais, je pense qu'il va. Il va garder sa 3e place. C'est son podium. Écoute, hein. Il l'a, il le tient, il le lâche. Du Racing arrive dans la dernière ligne droite. Dernier freinage. Il va pas chuter dans le dernier virage quand même. Voilà. C'est bon, ça passe. Il va passer la ligne en grand vainqueur de cette deuxième course à Sepang. En 9,90, un petit wheeling. Voilà. Vainqueur, Joe Racing, Penté. Il va passer la ligne également en 2e position. Bravo Penté. Et Scrambler, 3e. Bravo, podium.
Dilbeau s'en finit juste derrière. Ils sont restés quasiment au même écart. Il était remonté. Avec Sebin, moins de 4 secondes. 5e. Ah, petit loup qui chute. Mais non. Dernier virage. Avant-dernier. Ah, voilà. Pardon. J'ai cru que c'était le dernier. Human a glissé sur la même banane. Hein. Donc, il a chuté au même endroit. Revenons sur le classement. Et c'est la fin. Victoire de Joe Racing avec le meilleur tour en course, au même titre que la pole d'ailleurs. Celle-là, il l'a pas perdu. Deuxième, Pente. Bravo, Pente. Scrambler sur le podium. Troisième, bravo. Oui. Quatrième. Troisième. Troisième en. Ah, j'ai pas dit les temps. Joe Racing en 1.58.178. Pente deuxième en 2.00.379. Toi, Scrambler quasiment dans le même chrono. Et Dilbos un petit peu plus rapide. Alors, Scrambler en 2.00.546. Dilbos quatrième en 1.59.912. Donc, il était un petit peu plus rapide que Pente et Scrambler. Donc, les petites erreurs ont coûté cher. Cinquième, CB1000. En 2.00.911. Ça lui fait du bien parce qu'il était dixième dû à une déconnexion à la course de Motegi. Ouais. Tilou sixième. Bravo, Tilou. Tilou. Sixième. Voilà. Elle a fait 6 et 6, Tilou. Tilou en 2.00.685. Human septième en 2.00.450. Quasiment dans les mêmes chronos. Hein. Elle a fait 7-7, Human, d'ailleurs, aussi. Huitième, Yam. En 2.00.854. Neuvième, Maskoun. En 2.00.084. Maskoun, 9. Eh ben, moi, je sais déjà qu'il y a une égalité parfaite entre Joe et Pente pour la première place, suivi de Scrambler pour la troisième place. Allez, il est temps d'aller discuter avec nos petits amis, que j'invite instantanément. Alors, je rappelle pour tous ceux qui se sont présentés en ligne. Voilà, 9 invitations viennent d'être relancées. Ok. 9 sur 10. Alors, je sais pas qui s'était affiché en tant que. Ah, bonsoir. Comment ça va? Allô, PNT, la star du soir. Voilà. L'homme à l'anniversaire. Salut Pente. Ben voilà. Ben il faut. C'est ton jour. Tu es bien. Il est dur comme ça. Tout simplement. Il y a David qui me mettait la pression là, sur la deuxième course. Là, à 2 secondes. Ah mais vous êtes resté à peu près de l'écart. Entre toi, David et Dylan, c'était qui vous encore. J'ai bien fait de faire une petite erreur au départ. Écoute. Bah, tu risques de l'espoir, pour vous. Je vous rappelle, okay, premier c'est ex-écho, Joe Racing et Pente. Et Pente. Et donc, troisième, Scrambler. Scrambler, troisième, oui, avec deux quatrièmes places aux qualifications et deux troisièmes places à l'arrivée. Donc, Scrambler, double podium. Double podium, alors quand on regarde sur ton historique, t'en avais déjà fait deux, donc tu viens de doubler la mise en termes de podium. Voilà, ton premier podium c'était au Session Ring avec la troisième place, et ton deuxième podium c'était à Portimao. Alors, pour toi. Il n'est pas Alzheimer aussi, lui. Oui.
Ouais. C'est possible. Oui, ah, mais je suis la, la régularité. La régularité. La régularité. Mais, ça fait partie du jeu. Il a été solide ce soir, ouais. Oui, non, très bien. Félicitations. Alors, on va remonter dans le classement avec un ex-aequo en termes de points pour les pour la course numéro 7 et 8. Donc, je laisse d'abord la parole à Joe, pour lequel il faut souligner que Pente lui a pris son infernale réussite entre les pole positions et les victoires. Et Pente a mis fin à toute cette série. Jo, à toi. C'est horrible. Je veux plus parler. Non, bah écoutez. Non, bah la première course, on va dire, c'est un excès de. D'optimisme. Beaucoup de chutes. Beaucoup de chutes de ta part après la première. Ouais, sans langue lapin. Non, je chute bêtement. Puis après, je me déconcentre bêtement aussi. Tu freines un peu plus tard, tu vas dans les graviers, tu vois le petit écart qui diminue, tu veux remettre un coup de collier, mais t'es plus dedans. Et puis tu fais que des conneries et tu te dis, mais t'es vraiment qu'un gros con, il reste deux tours. Et puis, j'ai même cru que ça allait être compliqué de terminer deuxième. Bon, ça a failli. Finalement, je termine deuxième, mais bon, je me suis mis. En deux tours, j'ai pourri ma journée. Quoi. c'est pas très grave, mais bon, félicitations à Pente, parce qu'il m'a quand même mis la pression finalement. Donc, de toute façon, c'est toute la soirée. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Sur aucune des courses parce qu'il est là. il est là et il va mordre. Forcément. Non, mais félicitations à lui, je suis content pour lui. En plus, apparemment, c'est une journée un peu particulière. Tout à fait. Voilà, exactement. Ouais, donc, tu ne peux rien faire contre les éléments. Donc, je suis content d'avoir contribué à ça. Je te remercie. Bon, et puis, bravo parce que. Il y en a un qui a mis fin à l'insolente réussite de Jo. Insolente, mais dans le beau sens. Hein. J'ai nommé donc Pente qui a mis fin. Et puis, pas n'importe quel jour, tant qu'à faire, autant que ce soit le jour de son anniversaire. Voilà. 17 ans, encore une année, et tu es majeur. Dis-nous tout. Alors, Pente. Comment ça s'est passé? Bravo à Joe. Hein. Très bien, j'étais bien ce soir. Pas aucune douleur dans les poignets, rien. J'étais bien. Rien du tout. Rien du tout. Écoute. Voilà. Et puis. Qui avait-il dans le gâteau? Ouais. Oui, non, je pense que j'étais était solide. Bleu pas de chute. Il y avait des petites pastilles, tu sais, dessus. Il était aux couleurs de ton sponsor de casque, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et t'as tout mangé, voilà. C'est ça. Ils étaient tous pour adultes, des Smarties pour adultes. Des Smarties, il y avait marqué Pfizer dessus. Voilà. C'est mon sponsor. Non, en tout cas, bravo. Bravo pour cette course-là. Là, voilà, on te sait solide, hein. Au fil des courses, et voilà, il faut pas chuter. Si on veut pas chuter, soir, gagner, sur les chuter. Deux courses, pas de chute. C'est bien. Ce soir, très solide. Merci, Rambler aussi. C'est la première fois qu'il finit premier. Hein. Ça va. Hein. Alors, quand tu dis c'est la première fois, ça sous-entend que ce ne sera pas la dernière. Oui, mais quand tu regardes Tilou, il est tous les jours là, il finit quand même dans le classement, solide aussi. Ah oui, aussi, oui. Hein, oui voilà. Belle progression, ouais, tout à fait. Et Joe Racing, par exemple, il n'a pas eu besoin de longue lap ce soir, tu vois. Tout à fait. Alors, si on descend un tout petit peu plus bas, on va trouver Dilbos avec deux quatrièmes places, après deux troisièmes places en qualification, mais du mal sur la 980. C'est, c'est,
C'est mon sentiment de sur cette cylindrée, dit le boss. Je sais pas si tu confirmes. C'est pas ma moto. Mais bon, la concurrence était relevée. Hein. Bravo à eux. Oui, mais voilà. T'étais présent. T'as répondu ouais, présent. Présent. Mmh. Je me suis bien amusé quand même. J'ai pu essayer de remonter le couteau de l'étoffe. Alors les chronos sont similaires, hein. Tu regardes les chronos, vous êtes à 2-0-0 ouais. Quasiment. Vous êtes 1, 2, 3, 4, 4 à faire 2-0-0 quoi. Ouais, donc, même en course, j'ai fait 59 en course. Deux fois. Ouais, 59-912. Ouais, puis donc, j'ai fait 59-980 aussi, un truc comme ça, je crois. Bon, j'ai pu remarquer, c'était sur certains freinages, c'était chaud. Bah. T'aimes pas le premier virage à Botelli, hein. Tu l'aimes pas, lui, hein. Je trouve trop étroit, j'arrive pas à mettre cette moto au travers pour pas qu'elle lève le cul. Alors sinon, petit loup, deux sixièmes. De place. Ouais, pour petit loup, deux sixièmes places. Donc, c'est la troisième fois, mais on remarque quand même des choses, c'est qu'au niveau du passage de courbe et de l'accélération, t'es bien. Il faut juste pas trop surestimer le freinage. C'est la petite chose, on voyait qu'il te faisait perdre un petit peu, mais vraiment, ben voilà, de belles courses plutôt performantes qui t'ont vu. Donc, justement, ces deux sixièmes places, c'est bien. Eh ben, c'est le jeu, hein, comme dirait ma pauvre Lucette. Autre, ouais. C'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Paulette. Ouais, exactement. Voilà. C'est donc, lui, il a fait une belle cinquième place aussi. Hein. La régularité, et puis, oui, voilà, des. Comment. Une relativement bonne régularité, ça l'a fait. Après, le plus régulier. Un tout petit peu plus tôt, et c'est bon. Alors, le plus régulier de la soirée qui est abonné au 7, c'est Humain. Qualif 7, course 7, qualif 7, course 7. Le plus régulier de tous. Humain. Oui, je me suis permis parce que bah, Pascal a eu, CB1000 a eu une déco. Du coup, voilà, c'est pas ma moto. J'ai géré, j'ai donné un peu de points à Petit Loup. Voilà, c'est pour faire partager un peu tout le monde. T'as fait preuve de partage. Ça m'a permis de manger mes cacahuètes pendant la course. Et, Je rappelle, Humain, le mytho. Et sinon, de Bornéo. Ouais. De Bornéo. D'ailleurs, il ne me reste plus qu'une seule chance, hein, je signale. Hein. La 800, ouais, si elle sort, c'est Bornéo ou pas Bornéo. Et sinon, bah, tu l'as dans le Bornéo. Hein. C'est ça. Faudra attendre plus tard. Dans les saisons futures. Non, mais c'est mort. De toute façon, je vais compter sur une autre plateforme pour jouer à Bornéo. Bah écoute, libre à toi et je suis content pour toi. Voilà. Exactement. Je sais qu'ici, là, je peux pas compter sur vous, mais bon, c'est pas non, grave. Non. Tu sais ici qu'ici, voilà. Là. Non, ici, c'est inflexible. Il n'y a que du favoritisme et tout ça, donc voilà. Hein, que des passes droits. Où je crée mon championnat. Par exemple. Une belle, voilà. Belle cinquième place de CB1000 à Sepang. Oui, à Motegi. Ouais. On était... Exactement. Ah, mais ta troisième place, tu l'avais à la fin. Tel que c'est parti, normalement, tu l'avais. Hein. C'est ça qui est dommage. Ça aurait été un très bon résultat, ouais. C'est vraiment dommage, ouais. Ça, t'étais bien parti là, mais c'était. Et quand je t'ai vu déconnecté, bah, de toute façon, j'étais sûr que c'était une déco parce que t'as disparu d'un coup, pam! Donc, j'ai dit, bon, il a déco, c'est bon. Ouais, pas un au revoir, pas un bisou, bon, c'est une déco. Bah, rien! Que dalle! Bah, dans les décos, il y a eu Yam qui a une déco durant la qualif de Motegi, et le pire, c'est. Pardon? Non? Il était pissé. Ah bon. Alors, il faut aller, quand on va faire pipi, on va dans les stands. On va dans les stands. Ouais. Il y a que Rossi en 250 qui s'est arrêté à la fin de sa course, qui avait été dans les toilettes improvisées, juste pour le fun. Mais sinon, fait, non, mais bon. Jamais. Faut pas en roulant, Yam. Il faut pas sortir ton petit robinet pendant que tu roules pour faire pipi. Tu rentres au stand.
Ah non, 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 c'est sérieux, oh, non, la moto. C'est pas dessus. C'est pas dessus. Aïe, aïe, aïe. Faut pas approcher la lance trop près quand même. Non. Non, et sinon, vraiment, ça arrive, ça, je te le dis. Vraiment déçu pour Kawa avec une déconnexion à la première course de Motegi en qualification et surtout une déconnexion à Sepang durant la course. Quoi. Durant la C'était course, dommage ouais. parce que. Ah là 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 là. Ah, plus de jus, non ? Non, il avait un bouton de coincé. Oh, mince. Oh. Oh la loose. Bon, bah alors si le matériel s'y met maintenant. Ah ouais. Bon bah du coup faut on mettre une croix sur la bonne manette et puis la prendre. Non, mais l'autre elle tourne l'autre. Pas. Ouais. L'autre elle tourne et pas. Puis... Ah ouais bah ouais. Faut changer les manettes alors. Alors j'ai pas regardé si Mascoun est avec nous ce soir. Est-il là? Mascoun est là. On va invoquer les esprits. Non, il n'y a pas Mascoun. Non ben Mascoun qui a eu des difficultés, qui a eu de belles batailles, mais qu'au final. Voilà, un petit peu subi avec 8 en qualif avec 8 en course pour Motegi, 9 en qualif et 9 en course pour Sepang. C'était dur. Il y a donc plusieurs personnes pour qui la 990 est un peu difficile. Alors il faut faire attention, la 890, c'est la 990 avec généralement une seconde plus rapide au tour. Mais ça reste un petit peu près dans les mêmes réactions. Au niveau freinage, c'est à peu près pareil. Hein. Ouais. En tout cas, vous étiez tous performants quand même. Hein. Franchement, les écarts restaient stables entre chaque pilote. Donc, ça se voit au chrono. De toute façon, c'est des chronos assez similaires dans l'ensemble. Donc, il y a une première partie et une deuxième partie. Mais on voit bien que c'était vraiment des performances équivalentes. Et donc, la moindre erreur se payait cash. Ah, c'est sûr. Oui. Assez pang, tout analyse. Le monde est resté très longtemps sur ses roues avant une première shoot. Alors, je ne pourrais pas vous citer la personne, mais c'était bien de vous voir les uns derrière les autres. Et on disait par moment, si Joe chute, d'un seul coup, il se retrouve dixième. Bingo, on a rien de temps. Pas assez pang. Ça va vite. Pas assez pang. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui a chuté à la place de Joe et... Mais bon, c'était bien de vous trouver tous ensemble. Carrément. Sur le tour, ça donnait lieu à des belles batailles et puis des trajectoires vraiment différentes pour chacun. C'était marrant. Tu vois, voilà. Donc quoi, ton casque t'a porté chance aujourd'hui, Pente. Ah ouais, et puis il est magnifique. Carrément. Hein. Je sais pas si je vais pas le garder, d'ailleurs. Moi, je connais la réponse. Il est à toi, hein. Il est à toi. Hein. Donc, si tu veux que je le modifie, tu me le dis. Ouais. T'as des choses à modifier dessus, si tu veux j'enlève le joyeux anniversaire, je mets autre chose à la place, enfin c'est bon. Ça, ouais, tu mettras pas de soucis. Bah écoute, okay. Je ferai ça, je vais voir ça. Je te laisse imaginer. Ok, bah je vais m'en débrouiller, pas hein. Trop, quand même. T'inquiète. Ouais, ouais, mais attends, pas des trucs à poil, non. Ah, et t'as... À poil. non, non. tout droit vers 72. Non, mais c'est vrai que je regrette qu'on puisse pas en fait apporter dans ce système ses propres créations. Parce que je ferais des trucs de malade, quoi. Ah, ouais, là, t'es limité par ce qu'ils te fournissent, c'est un peu dommage, je trouve. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est pour pouvoir faire de la 3D. Dans les termes de calcul, donc y a les choses qui sont déjà prédéfinies. Mais bon, ça c'est une autre histoire. En tout cas, la moitié du championnat a été atteinte. Hein. Quatre catégories ont déjà été utilisées. Donc maintenant, il reste, si on les ça suit, il reste Moto 2, la Moto I, la Rookie Cup et la 800. Et la 800, dernière chance pour Human. Dernière chance pour Human, voilà. Sinon, dans le baba, hein. Alors, je souhaite à Human que la 800 se fasse dans la fin. Il y aura donc 6 circuits qui auront été déjà éliminés, ce qui augmentera le nombre de chances pour pouvoir potentiellement avoir Bornéo. Potentiellement. Mais bon, la chance qu'a Human, moi je suis quasiment certain que si on tombe 800 Bornéo, il va pleuvoir.
Chose qui n'est jamais arrivée, même le règlement. Le président. C'est pas marqué dans le règlement. Ouais, mais on ne peut pas vous définir le temps qu'il fera. Jusqu'à présent, on désirait du nuageux. Le temps a suivi le règlement. Mais les écarts sont toujours possibles. On ne sait pas. Voilà. Ouais, tu sais, hein, si on fait comme d'autres, on commence à garder l'heure de la météo, tu sais, des fois ça peut changer, tu vois, c'est. Voilà quoi. Là, si on prend le matin, si on prend le midi ou le soir, voilà, c'est plus surtout la météo, à Bornéo, surtout à Bornéo, où le temps est instable. Alors, je sais pas ce que vous avez fumé ce soir, les gars, mais. Mais bon. On a mangé du gâteau à Tété. En tout cas, ça fait rire. C'est la meilleure des choses. Tété nous a envoyé un bout sur le gâteau et bah, voilà le résultat. Et voilà. Thierry Bag, ça a été pour toi ce soir? Écoute, moi, très bien. Très bien. Ouais. J'étais sur la mi-course et puis la fin du peloton. On avait plein de choses à dire. Ça va? Pardon? Il t'a laissé un peu la parole, il t'a... Ça va, oui, il y avait toujours même des moments... T'as pas reçu 200 messages, quoi. Il a fait une erreur, il a dû s'acheter un paquet de bonbons, donc pendant qu'il les mangeait, je pouvais parler. Totalement librement. Oh, les chiens maigres. Charles Boy, au Motegi, tu nous as lésé. Bah non, vous avez roulé sur le 2009. Ouais, oui, mais pas au calife. Pas au calife, bah, vous avez quand même de la chance d'avoir roulé sur mais... 2009 en course. Non, non, mais c'était pas le même bitume, il y avait une différence. On va remettre en cause ta victoire finalement. Bon, allez. Lundi prochain, exceptionnellement, on refait la course. on supprime la course de ce soir, on recommence. Que de la gueule. Ah oui. Là, je pourrais dire oui pour l'occasion. Oui, on va pas changer. Non, non. De gueule quand même. Hein. Non. C'est fait. Hein. Ce qui est fait. Hein. Voilà. Sinon, vous attendez 365 jours et on refait la course. Voilà. Mais voilà, c'est une course anniversaire. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Allez. Je te jure. Et bon, lundi, il y aura un nouveau pilote hein, qui va arriver, hein, Dodo, il va revenir un petit jeune qui débute. Mmh. Et, mais il est plein de promesses. Il va y avoir un adversaire de taille pour du racing. Si on tombe sur la moto E, sachez que Dodo, sur la moto E, ils sont souvent de pneus. Voilà, il a toujours tendance à prendre du soft. Et le problème du soft, c'est que c'est pire qu'horrible. Il l'avait fait, je crois, de mémoire, c'était au Kimi Ring. Moto-E ou Kimi Ring, il ne pouvait absolument rien faire. Donc, il le sait maintenant. On l'a dit dans le live, même le médium, c'est culotté. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est du hard à l'arrière. Le pire, c'est qu'on l'avait dit. Mais non, elle a pris le soft, elle a fini dernier, allez hop. Donc jamais rien n'est gagné. Bah messieurs, y a plus qu'à... sur ce, on va vous laisser rejoindre les bras de Morphée. Mon Pente, tu vas te coucher, hein, sois raisonnable, hein. Tu vas pas faire la bamboule à ce soir, hein, Il a prévu d'aller en boîte. J'ai pas fait là. C'est son droit. Et puis champagne pour tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Quand on fait, hein. Chiche, on y va tous. Vous connaissez pas Panté, hein. Je vous le dis, moi. Bah écoute, hein, l'avenir nous le répondra. Voilà, vous. Aïe. Allez, messieurs. Dire. Merci de nouveau d'être là. C'est un vrai plaisir. On le dit toujours avec Thierry, des fois juste entre nous. Ben voilà, c'est vachement sympa d'être dans notre petit groupe, hein, nous tous. C'est pas le groupe des Thierry, c'est le groupe que l'on forme tous ensemble. Et c'est ça qui fait tout le charme et tout le plaisir qu'on peut avoir pour l'instant le lundi soir. Hein. En attendant, de nouveaux événements. On en parle dans le live, mais on en dira pas plus. On a évoqué une petite nouvelle formule, peut-être. À voir. Voilà. On verra. On vous invite. C'est quelque part.
pendant les 2 heures de discussion qu'on a pu avoir ce soir. Allez, je vous embrasse tous. Passez une bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Et on vous dit rapidement sur PSN ou au pire à lundi prochain. À vendredi. Allez, rendez-vous à Borneo. Ouais, à Borneo, tout le monde. Salut les gars. Merci. Salut.